Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est un haul. La semaine j'ai été, enfin ce week-end du moins, j'ai été à Primark et faire les soldes, j'étais sur l'île et tout ça. Et je voulais vous montrer les achats que j'ai réalisés. Et donc c'est pour ça que je vous retrouve dans un haul. Donc c'est un haul où il y a de la déco et énormément de fringues. Donc voilà. J'espère que ce haul vous plaira et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par Maison du Monde parce que c'est là où j'ai le moins d'articles et buts. Et buts, j'ai eu ces deux tasses-ci. Donc elles sont, il y en a une blanche et dorée et une rose et dorée, comme ceci. Je les ai eues à but pour 1 € toutes les deux, donc voilà, chacune à 1 €, donc... Voilà, comme je m'en vais l'année prochaine à Amiens, il me fallait des tasses et le prix normal était de 2,50 €. Donc à Maison du Monde, je me suis pris ce petit cactus-là doré. Donc à Maison du Monde, les étiquettes violettes, c'est du moins 50%. Et le prix de base était 5,99 €. Donc moins 50, ça revient à 3 € à peu près. Donc voilà. Et je me suis également pris ceci. Donc c'est un ananas doré sur un fond blanc. Le prix de base était 3,99 € et celui-ci, si je me trompe pas, il était à moins 30%. Ou non, excusez-moi, je me suis trompée. Les étiquettes violettes, c'est moins 70% et les oranges, c'est moins 50% Maison du Monde. Je vais y arriver, hein. Donc voilà, je me suis pris ça. Donc ce sont mes deux articles, mes deux seuls articles de chez Maison du Monde et pareil c'est pour moi l'année prochaine à Amiens. Donc voilà. Et ensuite je passe à Primark mais en niveau déco. Donc à Primark je me suis pris ceci, c'est donc des couvertures, enfin une housse de couette et un protège-oreiller, donc c'est des licornes et au lieu de 11 € je l'ai payé que 5 € et là c'est pour un lit une personne. Donc celui-ci c'est pour moi à Amiens dans ma chambre d'étudiant et oula tout ce que c'est et je me suis également pris le même mais en lit double en fait et celui-ci au lieu de 16 € 8 € mais c'est exactement le même. Mais c'est pour ma chambre actuelle en fait. Donc voilà. Donc voilà, la catégorie décoration est maintenant terminée. Donc je vais passer à celle des vêtements. Ce week-end, en fait, j'étais à un rendez-vous secret qu'organise Romain Huguetto. Pour ceux qui ne connaissent pas Romain Huguetto, c'est un jeune artiste lyonnais qui est très, enfin, qui a 60 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, je crois. Et voilà, il n'est pas très connu, mais il chante super bien et je suis quelqu'un qui le soutient à 100% et du coup, voilà. Et suite à ce rendez-vous secret, il y avait du merchandising à vendre et je me suis pris son nouveau débardeur, donc My Summer Program, avec écrit Romain Huguetto dans le téléphone. Donc voilà, enfin c'est la collection été qu'il a sorti. Récemment et en fait l'argent que l'on met dans les t-shirts et tout ça lui permet de financer ses autres projets, concerts, albums, clips et tout ça. Et je vous mettrai sa boutique en barre d'infos si vous êtes intéressé. Il y vend des sur sa boutique, il y a des albums, des t-shirts, des stickers, des posters, enfin il y a de tout quoi, c'est pour les fans et si vous n'êtes pas fan plus que ça mais que par exemple le débardeur vous plaît, vous pouvez juste prendre le débardeur et sur la boutique il est au prix de 20-25 € je crois, mais de toute façon je vous mettrai le lien de la boutique et vous verrez par vous-même. Moi je l'ai pris en taille L, donc voilà, il est plutôt grand. Mais il est assez près du corps. Et assez, je me suis donc pris cette... Oh non.
cette salopette short. Donc ça fait un long moment que j'en voulais une et j'en trouvais pas. Et bah là j'ai trouvé celle-ci et du coup bah je l'ai mise. Enfin je l'ai prise du moins. Donc voilà. Et c'est donc une taille 40. Oui, c'est une taille 40 si je ne me trompe pas. Et elle m'a coûté... Attendez, je retrouve l'étiquette parce que j'ai gardé l'étiquette exprès. Donc puis voilà, c'était une taille 40. Elle était au prix de 19 euros. Donc voilà, elle taille bah, plutôt normalement. Seul petit inconvénient que je lui donnerai, c'est que au niveau des cuisses, le tissu se tourne en fait quand on s'assoit ou quand on bouge trop. Donc c'est le seul inconvénient que je lui donnerai. Mais sinon elle donne ça et elle a un effet destroy au niveau des, bah, des cuisses, au niveau du short. Les poches rentrées ça fera mieux. Et donc voilà. Donc après une marque, je n'ai quasiment acheté que des habits soldés. Donc je vais commencer par ce long t-shirt. Comme ceci. Donc il est gris tout simple avec marqué Love avec un dégradé de rose. Et quelques fois le... sur le L et le V. Donc je l'ai pris en taille 40. Son prix de base était 8 euros. Et moi je ne l'ai payé que 5 euros. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite je me suis pris cet article là. Donc c'est un t-shirt je pense qui est crop top de base. Donc je l'ai pris en taille M, ce qui est égal à 38,40. Son prix initial était 6 euros et je l'ai pris à 8 euros. Donc je me suis pris ce pull-ci de la gamme Harry Potter de chez Primark. Donc voilà, il est comme ceci. Vous avez, je crois, le logo de Gryffondor avec écrit bah, Gryffondor juste en dessous. Donc il est gris avec des détails dorés. Voilà. Et voilà, c'est un débardeur gris tout simple avec un petit détail frisé sur le bas. Et au lieu de 4 euros, il m'a coûté bah, 3 euros. Donc c'est pas une très grande réduction, mais voilà. Et je l'ai pris en taille 40. Dernier article, donc c'est aussi un débardeur blanc avec écrit Give me a break. Excusez-moi pour mon accent de merde, mais vous le savez maintenant. Donc je l'ai pris en taille 40 et il m'a coûté bah, pareil 4 euros, enfin 3 euros au lieu de 4 euros. Donc au lieu de 4 euros, il m'a aussi coûté 3 euros. Je l'ai pris en taille 40 et dessus c'est marqué Aloha avec un petit ananas où dans l'ananas c'est marqué Beach, Beach please, donc plage s'il te plaît. Puis Aloha, je sais pas ce que ça veut dire mais c'est le mot à la mode. Mais moi c'est vraiment pour l'ananas que je l'ai pris en fait. Parce que bah, j'aimais bien et tout ça. Et puis bah, pareil, je veux de la couleur dans ma garde-robe. Du coup, bah, il y avait un ananas, il était jaune, bah, je l'ai pris. Donc voilà. Et bah voilà, je vous souhaite... Ah non, attendez, en fait je me suis trompée. C'est pas fini. Bah alors, j'allais oublier des trucs moi. N'importe quoi. Donc pour la rentrée des classes. Ah bah deux trucs. Ah bah bravo. 3, 4, bravo. Parce qu'en fait j'ai mis tout sur mon lit et j'ai mis des articles là. Du coup j'ai zappé. Bravo quand même. Donc pour la rentrée des classes, je me suis acheté un jean basique comme ça, tout simple, en taille 42. Donc c'est le super stretch skinny de chez Primark. Et donc il m'a coûté 13 euros, donc c'est en taille 42. Et voilà, c'est les stretch skinny.
Et c'est à ce que je suis en train de voir les nouvelles fabriques. Donc pareil, le jean n'est pas soldé et cet article non plus. Donc c'est un legging noir avec des détails rose gold en bas. Donc il a coûté 7 euros et je l'ai pris en taille 40-42. Donc à Primark, je me suis repris une paire de lunettes comme l'année dernière. Donc voilà. Oh, puis j'ai pas mis de lentilles, je vois que dalle alors. Donc voilà, je verrai bien au montage la gueule que ça me fait. Mais voici comment elle se porte. Puis avec les étiquettes, c'est pas très glamour non plus. Un autre accessoire beauté, on va dire, c'est ce sac. Ce sac en bandoulière. Donc il était au prix de 10 euros. Il existe en noir comme celui-ci et en rose poudré. Rose poudré un peu beige, je sais pas si vous voyez. Et il y a un petit pompon. Bon, petit inconvénient, c'est que la matière, c'est un faux cuir, mais assez spécial. Du coup, ça se tache facilement. Donc voilà, il est peu. Enfin, le contenu qu'il peut y avoir, c'est ça. Vraiment le dernier article de ce haul pour cette fois. C'est un genre de. Ouais, un mug. Il est un peu arc-en-ciel avec des cœurs et tout. Enfin, il fait penser un peu au monde des licornes et j'adore ça. Et au lieu de 3 euros, il m'a coûté que 1 euro. Donc voilà, je l'ai pris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. À commenter la vidéo s'il y a des articles que vous aimez bien et tout ça. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait ou si vous me découvrez. Donc voilà. À me suivre sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste après. Ainsi que activer la petite cloche. Donc comme prévu, je vous mets le lien de la boutique de Romain Huguetto en barre d'infos. Je vous mettrai également sa chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas et qui voudraient le découvrir. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.